J'ai rencontré Roger en 1968, octobre. Quel jour? Je ne me souviens pas. Mais je travaillais déjà comme interprète de français, anglais aussi. Et j'allais souvent à l'ambassade de France à Tokyo et pour avoir les clients, bons clients, distingués. Alors, un jour, j'étais là. Et il y avait un monsieur marchand tableau de Suisse qui arrive chercher interprète. Et c'est à travers de lui que j'ai eu le contact avec Bernard Lorgeau. Et il m'a fait connaître. Donc je suis allée à l'hôtel Okla de suite. Il était en suite, formidable. Très... Ah, ça, il doit être riche, j'ai pensé. Et quand il m'a vu Lorgeau, il m'a dit: vous êtes libre, vous ne pouvez pas travailler pour moi. Hein? Oui, tout de suite, tout de suite. Alors, donc après, j'ai compris. Avant moi, il a déjà renvoyé deux, comment dit-on, interprètes. Et je pense toujours, pourquoi tout de suite il s'accolait avec moi, hein? Mais je crois que tout simplement, j'étais rigolote. Et Lorgeau était très célèbre les années 50 jusqu'au début 60 en France, hein, avant qu'il casse sa baraque complètement, tu dis ça, et renommée, baraque de renommée. Et il a fait une grande exposition au Japon, à Musée Kamakura. Alors, donc, les gens qui s'intéressaient à la peinture, ils connaissaient, ils allaient voir. Et mon père, il avait un album, non, catalogue très important de lui. Donc, c'est... Lui, il a dit, vas-y, vas-y, c'est un grand fan. Donc, le lendemain, je l'appelle et je vais. Et puis, je dis tout candidement, tout naïvement, Monsieur Lorgeau, papa a dit que vous êtes un grand peintre. Il me conseille d'aller travailler avec vous. Il a toute sa vie jusqu'à la fin, il s'est moqué de moi en disant qu'il ne voulait pas travailler avec moi. C'est son père, etc., etc. Et il me dit, la vie est un jeu. Et il répond, je réponds, ah non monsieur, pas du tout, pas du tout. La vie c'est très sérieux, c'est pas un jeu du tout. J'étais un peu offensée de ce qu'il dit. Et l'autre jour, la question était posée par Chloé Cartier, qui est journaliste de Blois Mag, vous savez, oui, de Marais. Hein? Comment vous avez connu Lorgeau, etc. Et pouf, cette interview passée à Maison de la BD, en présence de Bruno Gemini, le directeur, et pouf, je sors cette ce parole de Lorgeau. Ah, Bruno dit, mais on a trouvé le titre d'exposition. Avant, on a cherché, on ne trouvait pas. Et donc, cette exposition s'intitule « La vie est un jeu ». Le plus important, c'est de faire des expositions. C'est toujours, c'est la vérité, dès le début jusqu'à la fin. Et aussi, d'intéresser la jeunesse, les enfants et tout ça. On a continué ça aux premières 10 ans, non, mais après, chaque fois, et on pensait toujours la génération, jeune génération dans la tête, et on a inventé un mot qui s'appelle l'orgeurie. Je prononce mal, hein, c'est difficile. O, L et R pour moi, l'orgeurie. Donc on faisait venir les élèves, on demandait à l'école de collaborer, ou n'importe. Et on faisait venir, on montrait le tableau, exposition, on donnait le moyen, papier, les crayons. Et c'était pour jouer ensemble. Donc l'orgeur étale le papier. Et il s'accroupit comme les enfants, ensemble, et s'accroupit, il commence à dessiner, il fait une partie, après, allez, continuez, faites tout ce que vous voulez. Il commence à continuer, et il prend, alors, et il dit, arrêtez, arrêtez, stop, parce qu'il dit, terrible, faire dessiner les enfants, ils ne savent pas quel moment s'arrêter. Ils vont trop loin, et ils gâchent ce qu'il fait. Et puis, il ajoute, pour moi, c'est pareil. Tu ne sais pas, vous savez, on n'a pas dans la tête une cloche qui sonne. C'est le moment d'arrêter. Donc, il faut savoir quand
s'arrêter. Ah, c'était une très bonne leçon. Hein. Il faut jouer avec eux. Tout en enseignant, c'est un grand mot, tout en montrant, faire comprendre la peinture. Voilà. Et donc, c'est très important que cette fois-ci, pareil. Qu'est-ce qu'on va faire à la maison de la BD et qui s'ouvre à la peinture moderne? Et c'est leur idée est bonne. Il faut associer la peinture proprement dite avec la bande dessinée. C'est vrai. Et de choisir leur jeu, c'est tout à fait judicieux. Mais est-ce qu'il savait? Mais c'est un grand nom dans la région et partout, d'accord. Mais il a bien fait choisir leur jeu. Il ne faut pas montrer les choses qu'on montre dans un musée proprement dit. Donc je suis allée à la recherche, tout à fait, comme on n'a même pas idée de montrer. Donc je cherche dans mon, grenier ou partout, et j'ai encore les choses roulées, et je sors, il y en a de 15 mètres de longueur, ça non, on ne peut pas. Et je trouve les dessins qui étaient faits vers le dernier temps, comme le chien ailé, et tout ça, l'orgue s'est amusé. Tout ce que l'orgue s'est amusé à faire, et puis pour lui. Alors, et donc tout de suite, je demande un toilage, des entoilés pour mettre sur le toile, et il y en a qui est l'orgue à peint en s'amusant, il adorait ça. Et sur le petit table qu'il y avait dans son atelier de Saint-Denis, petite table, petite chaise basse, assez basse, et il mettait dessus le papier et il commençait à dessiner beaucoup avec les crayons foutres parce qu'il avait des couleurs extraordinaires, crayons foutres. Donc il adorait ça. Je me rappelle comment il était. Il se penchait sur la table et avec le crayon à la main. Et quand il est concentré, il tire la langue. Comme ça. La langue sort. Il tire la langue. Et puis, des heures comme ça, et pof, il jette par terre. Et l'autre papier, il dessine. Et pof, plusieurs, bon, une heure, je ne sais pas, mais facilement. Partout. Et il se désintéresse après. Donc, je ramasse. Je ramasse et je garde. Soigneusement, je garde dans des cartons. Alors, et ces choses-là, on ne peut pas exposer parce qu'il craint lumière. Crayon foutre, c'est terrible. Hein? Il y a des gens qui ont déjà exposé et même pas, le soleil ne tombe pas. Mais au bout d'un an, deux ans, trois ans, mais ça devient gris à la fin, petit à petit. Même sur toile, s'il y a ça, sauf noir. Sauf noir, c'est le, comment dit-on, encre chinois, il est très très solide, hein, et pérennité garantie. Mais les couleurs, foutre de couleurs, c'est pas possible. Donc, j'ai dit, c'est une belle occasion d'exposer. Donc, j'ai entendu dire qu'il y avait les verres spéciales maintenant qui rejettent UV, ne traversent pas UV. Les dessins ont gagné en force et c'est même mieux qu'on voit sans verre. Il éclate de lumière et il est extraordinaire. Donc, il y en a ça aussi dedans. Et le reste, dommage, ces petites choses, s'amuser beaucoup les animaux, le chat, le coq, le petit coq, etc. C'est donc pour les enfants, pour qu'ils puissent travailler devant.